Bonjour à tous. Alors vous êtes nombreux à nous avoir contactés pour nous demander des informations concernant le fonctionnement de notre cœur virtuel. Alors nous avons décidé de faire une courte vidéo de présentation pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions que vous nous avez posées. Alors vous trouverez dans la rubrique téléchargement consacrée à ce projet la partition ainsi que 5 vidéos correspondant aux 5 parties de la partition. Pour tous ceux qui lisent la musique ou qui ont déjà chanté dans un ensemble vocal, vous connaissez votre tessiture. Ensuite il suffit de vous référer à la partition. Pour tous ceux qui ne lisent pas la musique, nous avons préparé des fichiers témoins que vous pouvez demander auprès de l'opéra en envoyant un mail à l'adresse suivante communication@opéradereims.com. Une fois que vous aurez reçu les fichiers témoins, je vous conseille de relire les 3 paragraphes de présentation concernant le choix de la tessiture, les conseils d'apprentissage ainsi que les niveaux de difficulté des 5 parties. Alors ensuite, comment se passe l'enregistrement? Une fois que vous avez choisi et que vous connaissez la ou les parties que vous souhaitez enregistrer, il suffit de lancer sa webcam, de mettre son kit main libre, puis de lancer la vidéo que vous souhaitez enregistrer. Ensuite, vous chantez au geste du chef comme si vous étiez dans un véritable ensemble vocal. Une fois que la vidéo est terminée, il suffit juste de la renvoyer à la même adresse communication@opéradereims.com et nous les récupérerons toutes pour créer le chœur virtuel.